On n'a pas turbiné, voilà. Ce que je vous disais. Il ne fait pas assez froid. Voilà. Ouais, c'est pas que. Si, pour le froid, pour les besoins énergétiques, certes, ça sert aussi à ça. Mais après, tout dépend. Des fois, il y a des cuisines qui sont consignées, il y en a qui ne le sont pas. C'est un tout, quoi. Ça dépend des indisponibilités groupe, ça dépend de l'état du réseau. Il y a beaucoup de données qui vont varier. Sachant que ici, quand même, comme c'est le réseau 63000, c'est un réseau local, quoi. Donc, on n'a pas ce problème. Enfin, il y a des interconnexions qui se font par rapport au réseau 63000, mais on est plutôt dans un réseau local. Donc, quand on ne tourne pas, c'est plutôt lié à une production, enfin, une consommation qui est faible, plutôt qu'à des indisponibilités sur des réseaux. Mais ça peut arriver. Un exemple, c'est une tranche nucléaire demain, tout à l'heure, elle s'arrête, un incident majeur. Il faut lui dire le qu'il en a besoin et il démarre, quoi. Ça démarre tout de suite. Et c'est quand la dernière fois qu'on a turbiné ici? Hier. Et on a démarré ils ont démarré le 1 et le 2. Voilà, pour savoir, il faudrait regarder sur le calculateur, là on le voit là. Nous en fait, on est là pour faire la maintenance, de façon à ce que dès que les groupes sont sollicités, ils puissent répondre à la sollicitation. Et sur incident, alors qu'ils sont sollicités, il y a un événement qui arrive et les groupes se trouvent momentanément indisponibles. À ce moment-là, on intervient, voilà. Donc les gens sont formés, je pense, dans divers domaines pour pouvoir remettre à niveau les machines et les rendre à l'exploitation le plus rapidement possible.